Hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, je vous relook. Voilà, donc je prends à chaque fois 3 personnes sous les commentaires et je les relook. Alors honnêtement quand je me suis connectée j'ai vraiment eu très très peur puisque ça a mis au moins 2 minutes à charger avant de me charger le jeu. Pourtant il est super tard, genre je crois qu'il y a même le couvre-feu là. Et j'ai réussi à me connecter seulement au bout de la deuxième fois. Regardez, même nuit blanche, voyez à l'heure où je filme. Ah bon, je crois que ça a déjà envoyé. Je crois que le jeu il lag alors que franchement il est minuit là. Enfin sérieusement, je ne comprends pas. Bref, oui je sais, j'ai un look bizarre, j'avais tourné une vidéo je vous cadeau. Vous allez vous dire oui la meuf elle relook des gens alors qu'elle ressemble à un sac à patates. Oui, je suis d'accord. Donc la première personne que j'ai prise sous les commentaires c'est Grax3. Ah donc si vous voulez tenter de passer dans une vidéo relooking, mettez en commentaire votre pseudo. Voilà, et mettez à côté de votre pseudo, je demandais de faire un truc, mettez votre pseudo et sur la ligne d'en dessous, mettez, je sais pas moi, un smiley, un emoji, quelque chose, voilà. Comme ça, je verrai les gens qui regardent la vidéo et pas seulement qui mettent leur pseudo sous les commentaires. Écoutez, c'est parti, on va faire le relooking, it's a go. Alors, pour le look de Grax, les niveaux 7, je sais pas si elle a beaucoup d'affaires. On va voir un petit peu, donc elle a un look assez Tumblr, on va dire, la Tumblrité est là. On va voir un petit peu, non ça va, quand même des affaires. Hein. J'ai vu des personnes plus hautes niveau 7 avec moins d'affaires. Alors j'hésite, soit je pars sur la robe, soit je pars là-dessus, mais j'ai envie de partir là-dessus, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Avec ceci, frites et coca, non je déconne. Ouais, non, ça va faire trop de motifs qui se répètent. Donc, on va pas remettre ça. Je verrais bien ce jeans là. Vous allez me dire, ouais, mais jeans, ouais, machin, c'est celui de base et tout. Ou la jupe. Non, la jupe, ça le fait bien. Mais le jean, ça fait un peu genre la chemise rouge et le jeans du boyfriend. Ça passerait genre vraiment bien. Mais on va mettre la jupe là plutôt. Parce que c'est vrai que la jupe, elle est vachement belle. Faudrait que je me l'achète celle-ci. En chaussures. Ouh, j'ai eu peur. Je me suis dit, ouais, y a rien qui cherche, c'est genre trop chelou. On va mettre les baskets, hein. On va mettre les baskets, c'est le seul truc que j'aime bien. Avant les accessoires, forcément, la chevelure, on va pas remettre... là, elle avait celle-ci. Mais ça va bien avec, je trouve. Et en accessoire, on va pas mettre le béret par-dessus, ça le fait pas. Par contre, un petit collier, pourquoi pas. Et ça, ça va où, ça? Ah bah tiens. Non, c'est pas ça. Bah, il va où? Ah, c'est une boucle d'oreille, d'accord. Bon, on va l'enlever. On va l'enlever. Je pensais peut-être que c'était au nombril, mais absolument pas. Donc on va remettre le collier. Et puis écoutez, pour le premier look, on va mettre ça comme ça. On va marquer comme d'habitude la quinzelle et passer par là. Voilà. La deuxième personne, c'est Sunichou. Voilà, donc petite Sunichou. On va lui faire un look. J'aime bien son maquillage, là. C'est vachement cool. Et ben alors... Tu charges ou pas? Ouais, non, mais je pense que là, clairement, Movistar Planet, il y a un souci. Ou je sais pas, c'est peut-être mon compte qui a un souci. Alors, je ne suis absolument pas en live. Hein, le live, il était tout à l'heure. Mais à force, vous me connaissez, vous savez que je mets 30 ans à changer. Mais que fais-tu? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau du tout. J'essaie à chaque fois d'enlever un... Ouais, voyez, regardez, ça déconne tellement. Que ça met 30 ans à capter que j'ai envoyé un autographe. Mais c'est pas grave. On va essayer de faire avec. On va essayer de faire avec, hein, parce que j'aimerais bien quand même faire la vidéo avant d'aller me coucher, ça me ferait plaisir. Le pire, c'est que je fais exprès de faire mes vidéos soit tôt le matin, soit tard le soir. Justement, oh là là, c'est catastrophe. Justement pour ne pas laguer, et là, c'est encore pire. Merci beaucoup, Movistar Planet, faites quelque chose, s'il vous plaît, hein. Je suis sûre, en plus, le pire, c'est que si je leur envoie un mail pour leur dire, voilà, le jeu il lag et tout, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, ils vont me dire que c'est de ma faute, que c'est mon ordi qui est pas assez fort, alors que j'ai envie de te dire, mon PC est vraiment puissant, parce que bon, hein, s'il faut un PC à 10 000 euros pour faire tourner MSP, c'est qu'il y a un problème aussi. Ah bah ouais, regardez comment ça déconne. Cette vidéo tourne vraiment très mal. J'étais bien partie pour relooker, voir 4 personnes dans cette vidéo, mais finalement, juste à cause du lag, ça va être un peu plus compliqué. Allez, on va créer un look. Oh, c'est quoi ces looks? J'ai l'impression qu'elle a des choses vraiment très colorées, hein, quand même. Hein. Alors déjà là, voilà, elle a
un look assez atypique, un maquillage et tout, genre de maquillage. Normalement, je vois personne avec et justement, ça fait plaisir. Bah écoutez, c'est parti. On va faire, bah tiens, vu qu'elle a un maquillage assez bleu-jaune, on va essayer de faire un look bleu-jaune si on peut. Et merci à Luminou41, merci beaucoup à toi pour la salutation. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, on va voir un petit peu, mais elle a des choses intéressantes hein, quand même. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça, dis donc. Ah tiens, ça c'est beau, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, avec Comba... est-ce qu'on part sur du noir? Ouais, comme ça, ça va bien. Mais on va voir si y a autre chose. Ouais, non, on va rester sur celui-ci. Hein. On va rester sur celui-ci. Pour les chaussures, on va partir sur... celui-là, quoi. On n'a pas super grand choix à ce niveau-là. Mais heureusement, les chaussures-là vont bien avec la tenue. Donc, ça va. Donc, ça va. Ah, ouais, ça, ça va bien. Je crois qu'elle avait la coupe là. Mais vu qu'on ne veut pas remettre la même chose... On va mettre celle-ci et on va voir les accessoires. Et ça passe quand même. On va pas mettre les mêmes lunettes parce qu'elle les portait déjà. Bah écoutez, moi ça me semble plutôt pas mal comme tenue. Et on va mettre comme d'hab 15 L et passer par là. Perfect. Et la troisième personne... Ah, je vais mourir, je décède. Bon, j'arrête mes conneries. Bluesuit 1, 2, 3, voilà. Et merci pour ton gentil commentaire. C'est très, très gentil. Merci beaucoup. Et bah écoutez, c'est parti. Petit auto comme d'habitude. Pas, puisque le jeu n'a pas envie. À ce que je vois, si, il a voulu. Il a mis du temps, mais il a voulu. Ah là là, je vous... Regardez, mais comment on peut laguer comme ça à cette heure-ci, quand il y a le couvre-feu? Je suis plus censée laguer, moi, à cette heure-ci. C'est censé être fini, les lags. Et ben non, ça me poursuivra jusqu'à la fin de ma vie. Même sur un compte niveau 0, avec 0 amis, avec rien du tout. Et ben, ça me poursuivra partout. Bon, fini les conneries. On se concentre pour faire un joli look. Pour l'instant, j'ai bien aimé les premiers looks que j'ai fait. Après, honnêtement, lequel des deux je préfère, je ne sais pas. Peut-être un peu plus le premier que le deuxième, même si j'aime beaucoup les deux. Je sais pas. Mais comme d'hab, dites-moi lequel que vous avez préféré. Bon, attendez que je finisse au moins celui-ci. Hein. Peut-être que celui-ci vous plaira plus que les deux premiers, on ne sait pas. Alors là, ça commence bien parce qu'il y a quand même des jolies choses de Noël. On va peut-être faire un look Noël avec cette robe-là parce qu'elle avait celle-ci, je crois. Et du coup, bah, celle-là, ça fait aussi très le Noël et je trouve que ça rend bien. Ouais, quoique, celle-là me plaît bien en fait. C'est la fille qui change d'avis en 2 secondes, quoi. Je suis plus forte que Lucky Luke pour changer d'avis, hein. Ok, ça on met rien, parce que bah elle a besoin de rien en fait, hein, vu qu'elle a une robe déjà. Peut-être un collant, mais bon. Voilà, enfin, même pas besoin en fait. Même pas besoin de collant. Pour les chaussures, des talons forcément. Enfin, si on a des talons, on va voir, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Des talons, ouais, des talons comme ça, ça va bien. Après, celui-là, ça va bien. Elle a pris avec, pour que ça matche avec l'autre robe. Après, ça, ça peut être pas mal. Ouais, non. Ouais, peut-être plus du noir, peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, je trouve que c'est ceux-là qui vont le mieux avec la robe. Ça, c'est comme... Oh, sympa, les petites chaussettes glitter. Celles-là sont sympas aussi. J'aurais peut-être... En noir, franchement, je pense que j'aurais pris. Il y a aussi des chaussettes en noir, mais bon, ça va pas. À la limite, des collants un petit peu opaques, ça irait, mais trop opaques non plus, faut pas abuser. Ça le fait un petit peu moins. Ouais, ça aussi, c'est sympa. Ça aussi, c'est sympa, c'est des petites ballerines rares, ça. C'est des chaussures rares. Ok, j'ai le retour du... Ok. Là, ça fait un peu trop écolière avec cette robe-là, je trouve que ça va pas trop. Non, pour l'instant, je pense que c'est vraiment les premiers qui m'ont le plus plu. Les sortes de petites cuissardes noires. Bravo, on adore. Pour les cheveux... elle avait celui-ci, il me semble. J'aime bien celui-ci aussi. Mais celui-là, je trouve super original. On va voir, hein, parce qu'elle a quand même des beaux cheveux. Elle a beaucoup de choses assez originales. Ça, ça va bien avec. Écoutez, non, franchement, celui-là, il est bien. Je vais rester là-dessus. Ce serait bien peut-être de trouver une... je sais pas si elle va voir, mais vous savez, les vestes en cuir qu'on a un petit peu tous, là, qu'on met par-dessus des vêtements. Ou ça, ça le fait aussi.
Ça, ça le fait aussi. Par contre, le Beverella aussi, il le fait. Ouais, non. On va rester plutôt sur le bonnet. On va rester plutôt sur le bonnet. J'ai hésité, mais non, on va rester sur le bonnet. On va voir au cas où. On va tester avec la veste en cuir si elle en a une. Si elle en a pas, tant pis, c'est pas grave. Mais ouais, franchement, là, pour le moment, ça me plaît bien. On peut même mettre ça. On peut même mettre ça. Qu'est-ce que vous en pensez des deux motifs? On dirait que je suis encore sur mon live avec Nicki Minaj, avec les deux motifs, pour ceux qui étaient là. La veste en cuir, je ne vois pas. Et je n'y vois pas les vestes en cuir pour le moment, mais on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et comme par hasard, vous allez voir, quand je cherche quelqu'un qui l'a, enfin... quand j'en ai besoin, bah elle va pas l'avoir. Hein. Sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Là je le vois pas. Parce que si elle l'a pas, tant pis. Hein. Je laisse comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va bien quand même avec. Mais j'aimerais bien quand même essayer quoi. Ah bah les petits cils noirs. Là je ne vois pas. Ça c'est, je l'ai passé comme quand j'ouvre les... Ah non, bah non, elle l'a pas. Bon, on va rester sur ce look-là. Bah, ça me plaît bien quand même. Mais c'est vrai que je pense que la veste en cuir noir, ce serait peut-être mieux. Parce que c'est vrai que la fourrure ici sur les bras, je trouve ça joli. Mais je trouve que ça matche pas forcément avec le bonnet, en fait. Enfin, c'est trop classe, en fait, pour porter un bonnet avec celui-ci. Mais j'ai pas envie de changer la coupe parce que je l'aime bien aussi. Donc voilà, dilemme. Bah, on garde les deux, tant pis. Et on valide ce look. Bah, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous aimez bien quand même, si vous validez ou pas le bonnet avec la fourrure ici, sur les bras. Moi je trouve que ça va encore, il y a pire, hein. J'ai déjà fait pire. Et comme d'habitude la quinzelle est passée par là. Et dites-moi si la quinzelle aujourd'hui, elle a fait un fashion faux pas ou pas. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao.